Genre? Alors, tu lui as parlé? Non, il n'est pas encore entré. Mais au fond, j'aime autant ça. Comme ça, tu vas pouvoir tout lui expliquer toi-même. Tu peux pas savoir comme ça m'embête. C'est la première fois qu'il passe ses vacances loin de nous. Il va avoir l'impression que nous le laissons tomber. Il se faisait une telle joie de ce voyage aux Baléares. Non, en réfléchissant bien, je crois qu'il vaut mieux que ce soit toi qui lui parle. Oui, une femme, ça trouve toujours mieux les mots qu'il faut. Mais pas question. D'abord, c'est ton idée, pas la mienne. Mais comment pas la tienne, mais tu étais d'accord, il me semble. Peut-être. Mais après tout, c'est une affaire d'homme. Réglez ça entre vous. Le voilà. Chambon. Bonjour. Tu as encore oublié ta clé? Excuse-moi, maman. Sympa. Ça va? Quoi de neuf? Rien. Enfin, pas grand-chose. On peut se mettre à table, je crève de faim. Vous savez pas qui j'ai rencontré ce matin, avenue Victor Hugo? Non. Jean Bourgoin. Et vous allez rire. Vous savez pas ce qu'il m'a dit? Non. Qu'il partait la semaine prochaine avec son père au Baléares. Marrant, non? Très. Ils ont loué une villa à Formentor. Là, on pourra se voir tous les jours. Alors là, on va se marrer, hein. Ils emmènent avec eux leur bateau, un prime-vent. Ça, j'ai grand peur, Jean-Loup, que cette année, ni toi ni moi, nous ne fassions de bateau. Pourquoi? On va plus à la mer? Non. Non, il faut être raisonnable. Très raisonnable. Mais qu'est-ce qui se passe? On est fauchés? Non. Mais ton père est obligé de partir le 2 pour Bucarest. Oui, la Timra a construit une usine là-bas. Ils vont surveiller l'installation avec Courtelin. Et bien sûr, tu emmènes maman avec toi? Oui. C'est gay. Et moi, qu'est-ce que je deviens dans tout ça? Pour une fois, mon chéri, tu iras en vacances tout seul, comme un grand. Où ça? En colonie, dans les Ardennes belges. Dans un grand camp, en pleine forêt. L'air y est, paraît-il, excellent. C'est la première fois qu'il sera séparé de nous, mais à présent, tu es un homme, non? Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Moi, je trouve ça sans sas. Je vous aime bien, mais je commence à en avoir marre d'être toujours dans les jupes de maman. Puis quoi, dans les camps, on se fait des copains, on se marre bien, c'est la belle vie, quoi. Tu ne nous regretteras pas trop? Mais non, vous inquiétez pas, je serais très bien me débrouiller sans vous. Dis donc pas, je peux passer un coup de bigophone à Patrick? Ben oui, va. Eh ben, tu vois, eh ben, il a pris ça très bien. Trop bien. Nous n'existons déjà plus pour lui. Bon, t'es jamais contente. Et toi, si tu voyais ta tête... Allô, bonjour madame, est-ce que je pourrais parler à Patrick, s'il vous plaît? Merci. Viens voir un peu. Qu'est-ce que c'est? Les nouveaux qui s'amènent. Et alors, qu'est-ce que j'en ai à faire? Hé, petit gars. Cette valise, c'est la mienne. Hein?
Oh, c'est bien possible. Je suis un tout petit peu mieux. Merci. Tiens, Miro, voilà la tienne. Ouais, merci. Ça va. Un peu de silence, s'il vous plaît. Taisez-vous. Allez, taisez-vous. Allez, taisez-vous. Mes amis, je suis heureux de vous accueillir au Camp Vert, où je suis sûr que vous passerez de merveilleuses vacances dans une ambiance de saine et franche camaraderie. Je m'appelle Willy Santériou. Je suis le chef de cette colonie. Et voici mes assistants, Michel, Joe et Philippe, qui vous serviront de moniteurs. Vous allez vous organiser par groupe et vous choisirez vous-même vos chefs d'équipe. En attendant le grand rassemblement, les moniteurs vont vous conduire à vos blocs respectifs. Pour le camp vert, hip hip hip! Hurrah! Hip hip hip! Hurrah! Hip hip hip! Hurrah! C'est pas du calme, pas de bousculade. Alors, il y a de la place pour tout le monde. Dis, ça te dérangerait beaucoup de me céder ta place? Oui, pourquoi? Question de phobie. J'ai la claustro. Si je ne dors pas près d'une fenêtre, je deviens dingue. J'étouffe. Ça me prend là. Mais tu blagues, non? Pas du tout, c'est un truc héréditaire. Bon, ça va. Voilà. Merci. Non, pas là, c'est déjà pris. Par qui? Par Cowboy. Cowboy, qui c'est ça? Bruno, le chef des sangliers. Depuis 3 ans qu'il vient en colo au camp vert, ça a toujours été sa place. Mais ça doit être du rail. Ah, ça faut le faire. Mais si un jour tu fais partie des sangliers, Bruno te montrera lui. Et comment fait-on pour entrer dans la bande? C'est tout simple. T'as qu'à voter pour lui. Ouais! Alors, les enfants, vous avez désigné votre chef de groupe? Oui, monsieur. Et je parie que cette année encore, c'est notre ami Bruno Lapointe qui a recueilli tous vos suffrages. Oui, monsieur, à l'unanimité. Eh, on a pas voté, nous! Maintenant qu'on est complet, on recommence tout depuis le début. Qui vote pour le plus chic type de tout le camp vert? Ceux qui sont pour, lever la main. Ben et toi, t'es contre? Je m'abstiens, c'est tout. Bon, ben comme tu veux. Rien n'est changé, monsieur. La pointe est élue à l'unanimité des voix. Enfin, moins une. Mais cette fois, c'est tout ce qui est officiel. Eh bien, c'est d'accord. Inscrivez Bruno Lapointe. Quelle heure il est? 7h30 passée. Et le programme de la journée, c'est quoi?
Bah d'abord, j'ai une demi-heure, après le petit déjeuner. Ensuite, on fait les lits. À 9h, c'est le rassemblement. Et à 10h, on s'en va pour la forêt ou la rivière, ça dépend. Les équipes sont complètes, hein, vous jouerez à la mi-temps. Enfin, s'il y en a qui sont trop crevés pour continuer. Zut alors, nous voulons une fois sur la touche. Il le fait exprès, ma parole. Non, mais c'est des copains qui se connaissent depuis longtemps, tu comprends. Ça fait 3-4 ans qu'ils viennent ici chaque été. Ils ont un clin à eux, alors tu penses que les nouveaux... Il peut faire Tintin. Eh bien, s'il faut attendre 3 ans pour entrer dans leur club, ça va être gai. Et il est durable. T'en crois pas? C'est pourtant bon. Non, j'ai assez mangé. Fais quand même remplir ton assiette, tu me la refileras. Et lui, il mange pas? Non, il suit un régime. Tu vois pas ça? Les bonbons, la chipouche, j'ai fourré. Ils sont pas dans l'armoire? Dans la cassette, t'es fou. Pourquoi me les fauche? D'abord, j'y garde toujours sur moi. C'est vraiment embêtant. Les bonbons à la menthe, moi, ça m'aide à lire. Moi, je sais bien, ça peut te paraître bizarre, mais c'est comme ça. Et c'est pour tout pareil. Quand je joue au foot, ben, il me faut mon chewing-gum. Quand je nage, mon caramel. Et quand je fais du biclou... Du biclou? Ouais, de la bicyclette. Ben, c'est mes cacahuètes. Par contre, pour la marche à pied, je m'en fous. Un bout de nougat et de sucre d'or, je suis pareil. Si ça peut te faire plaisir, j'ai du chocolat. À quoi? On l'a au pistache ou aux noisettes? Je sais pas. Faut toujours voir. Ça ira, merci. C'est vraiment démarrant, cette bande à bico. Un peu comme la vôtre. Pas du tout. Les sangliers, c'est du sérieux. Pas de rigolade. Faut pas croire qu'on rentre chez nous comme ça au flanc. Et pour faire partie de votre bande, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Des tas de trucs. C'est pas facile. On a des lois, tu comprends. Des rites. Avant tout, faut avoir du cran. Parce que chez nous, on n'aime pas les truillards. Pourquoi? Ça t'intéresse? Oui. Écoute, puisque t'es un chic type, je t'amènerai tout à l'heure au quartier général. Je t'expliquerai avec Cowboy. Après en avoir délibéré, le Grand Conseil des Sangliers accepte la candidature de Jean-Loup Grandier, né à Paris le 29 novembre 1954. Celui-ci déclare avoir pris connaissance des règlements secrets de l'association et se dit prêt à subir l'examen spécial d'entrée du club sudit. Le postulant ne deviendra membre effectif du clan que s'il satisfait, sans exception aucune, à toutes les épreuves qui lui seront imposées. Dans le cas contraire, sa demande sera impitoyablement repoussée. Tu es d'accord? D'accord. Tiens, signe. Tu es prêt? Oui. Alors viens. Ah!
Et maintenant, avec les boules enduites de noir. À deux. Maintenant, la deuxième épreuve. Qu'est-ce que c'est? La charge des samouraïs. Cette fois, je me défonce. Comme Babylone, toutes les idoles de ces dieux sont brisées sur le sol. Jean-Loup vainqueur.
maintenant, tu serais capable de faire trois tours les yeux bandés? Ok. Amenez les foulards, noirs! Pas dire, hein, il a dit prendre. Ça oui alors. Un homme, t'es des nôtres, tu vas pouvoir porter ça. Qu'est-ce que c'est? L'insigne des sangliers.